Sous-lieutenant Dubois, mon colonel. Sous-lieutenant Brahim, mon colonel. Messieurs, je vous félicite d'avoir pu choisir ce corps d'élite grâce à votre excellent classement à la sortie de l'école. J'ai l'honneur de vous présenter notre drapeau, tout chargé de gloire. Dans ma promotion, j'étais le seul. On s'est retrouvé dans un amphithéâtre. Et j'étais le seul musulman, quoi. Pour nous, il n'y a pas de nouveaux français et d'anciens français. Il y a du français tout court. Et on ne s'attache pas à savoir depuis combien de générations ils sont français. Quand je parle de moi, je dis que je suis algérienne. Officiellement, t'es algérienne. Ouais, mais même dans ma tête, je suis algérienne, je suis pas française. Je vis en France, je respecte les lois françaises, je respecte les Français, mais je me sens pas française. Donc il y a peut-être une contradiction entre le fait que je m'engage dans l'armée française. Je suis caporal-chef Loualich, Abdelkader, algérien. Tout tard, il faudra bien que je retourne là-bas voir mes racines, c'est sûr et certain. C'est normal, il y a les bases, il y a les origines, il ne faut pas les oublier, quoi. Pour certains Français, je suis française. Et pour certains, je ne suis pas. Et pour les Arabes, c'est pareil. Quand on va au bureau de recrutement et qu'ils nous demandent pourquoi on rentre à l'armée, déjà pour une fille, c'est difficile. Et le fait de dire qu'on rentre à l'armée en étant arabe, pour eux, ils se méfient un peu de dire est-ce qu'on va avoir confiance ou pas confiance. Alhamdulillah, shukur kita kepada Allah. Mon grand-père a fait la guerre de 39-45, c'était un ancien combattant. Bon, il m'avait un petit peu raconté l'historique, bon, pas trop les choses méchantes qu'il avait vues. Mais mon père, quand il vient ici, il est fier. Quand il vient, il sonne, et on m'appelle chef, mon père, il est fier. Je le sens, je suis normand, je suis musulman, je fais le ramadan, et je suis français puisque je suis né là et je travaille là, et je serai enterré là, donc